Bonjour. Bonjour. Bonjour Iris. Bonjour. Tu préfères le chocolat ou les histoires? Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Est-ce que ça te dit d'écouter une histoire et de manger du chocolat? Oui. 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 Allez, c'est parti. Tu vas mettre le casque sur tes oreilles. Le défi, c'est de manger du chocolat pour pouvoir écouter l'histoire. Ça te va? Oui. C'est parti. Oups. Tu veux que je t'aide? Non. Ok. Il est bon? Défi numéro 1 relevé. Tu peux prendre le petit bonhomme, le poser sur le carré vert et commencer l'histoire. Oh, salut toi! Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu espionner la préparation des œufs en chocolat, c'est ça? Je vais t'emmener visiter notre fabrique secrète d'œufs en chocolat. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça marche plus. Ça marche plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon? Moyen. Moyen. Je te présente nos amis les poules qui, exceptionnellement à Pâques, pondent des œufs en chocolat. Donc là, c'est marqué quoi sur le papier? 75. 75. C'est pas bon. Mais tu mâches pas là. Moyen. Moyen comme le deuxième? Encore plus moyen. T'es prête à manger en chocolat encore plus fort pour écouter la fin de l'histoire? D'accord. 100% de l'histoire, 100% cacao. C'est bon ou pas? Ouais. Pas du tout bon. Ah. Allez, c'est parti. Fini. Alors, tu préfères le chocolat ou les histoires? Les histoires, les histoires. Ça dépend. Merci Iris. Merci Alice. Au revoir. À rien. Tu veux emporter le chocolat pour chez toi? Non.